seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Ndeko balandi ya chaîne monene oyo ya na YouTube Yeba TV toye liboso na bino pona ko informer bino situation o ezole kana kati ya mboka ngande ko na bino Joseph Mbenza moko abayo bazalaka toujours na bino pona ko informer bino na kati ya chaîne monene YouTube Yeba TV. Ici, permettez-moi de saluer la bravo, la technicienne d'un homme exceptionnel, HD Kondé, qui est avec nous sur ce plateau pour nous informer, sans oublier le DG Shadrach Oyazali, qui a coordonné Bissonio Sokat na chaîne Oyo. Je n'oublie pas un homme exceptionnel, Otozana et Otozana Simana et Nakataline et Nakata Eba TV, le pasteur Gili Bokwala, sans oublier mon frère et ami Mitterrand Naya, maman Pascaline, maman Abigail, mon frère et ami Richie Ngache, Trésor Kandolo, Basalino sa chaîne au YouTube, Otozala Rana Bango, Nabo Sanité Ndokonanga, Abe Chole, Nabo Sanité Vale Kinanga, Ishadrak, Ochudi, et puis Nabo Sanité Rabi Mokoko, et puis Mike Chiswaka, sans oublier mon frère Morisso. Bande konanga ba congolais. Puis nous bozana katia mboko et puis bozana katia diaspora. Ngai ndeko na bino na yepoto solo la makambo etali mboka Congo. Topesa na mayele to sala o babengi échange patriotique. Boyebe ke yeba TV a na vocation ya éveil patriotique. Situation politique, situation sécuritaire, situation socio-économique, yango ndezo préoccupé ba congolais. Ebele ba tuninga ba question. Ndeko Joseph, pourquoi gouvernement ezo bimate ezo umela? Il faut que ba Congolais ba comprendre eloko moko. Nous sommes régime otozanango eza régime ba bengi régime semi-présidentiel o ba politologue ba bengaka bicéphale ou bien bicaméral. Le président aza limité aza na champ d'action na ye, le parlement pesa na champ d'action, président ko kota na o ya ya parlement te ce qui conflit eza te, ba to pe a parlement ba ko kota na o etali mokonzi ya mboka te. Biso nyo stobi ke na constitution, le président est irresponsable devant le parlement, c'est le premier ministre qui est l'émanation du parlement bien que l'ordonnance soit signé par le premier ministre, par le président, que le premier ministre soit nommé. C'est la constitution tozanango. Mais ezo leke loko moko na kati ya mboka oyo, oyo ngai na ekopesa makanisi na ba congolais pe na avertir ba tout déjà par rapport ya ba enjeu na ba danger ezo courir pouvoir oyo to bundi pendant 37 ans tozoyango, mais à cause ya ba réalité politique, à cause que to sangani na ba tebele ndeko situation ndenge ezo kende ça commence à inquiéter. Boyebi biso nyonso samedi ya lelo il fallait consacrer élection ya bureau définitif ya assemblée nationale. Mais pourquoi élection est salami lelo te Bandeko, c'est parce que ils ont un problème, il y a une ambition personnelle, il y a batou. C'est ce qui est désolant et choquant, Bandeko Nangaï, ba Congolais. Pourquoi? Vous savez, Mokonza Mboka, c'est un homme qui a une très bonne foi, mais il s'avère que Bato Bazo qui est entouré au niveau de l'Union sacrée. Oh, bah, outi bipa, ina bipa, bah, komi kola ki sa,
façon moko ko sa les amala mute to kei bande ko nangai to réfléchir ensemble bino bozana diaspora biso pe to na katia Congo. Comment est-ce possible? Nous avons la majorité au majorité super absolue. Mais pourquoi les institutions traînent à se mettre en place? Parce que Moutouna Moutazo Luka positionnement naïe. C'est ce qui laisse, c'est ce qui dérange. Même l'opinion nationale, Batouba Komi Komi, tout la question. Mais Makambo, Tokokai, Kotouvan, Ote, na pouvoir, il y a Félix Tshisekedi. Ils ont raison. Bande Konangai. Mokonzamboka Ayambi Lobby. Tous les députés nationaux, la plupart, Bazalaki, plus de 400 et quelques. Parce que député d'Assemblée nationale, baza à peu près 470, mais il y a eu plus de 406 députés nationaux qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Pourquoi? Parce que Mokonzambo, Kamona qui est déjà danger, ouais, il y a 4 familles politiques naïées. A Bengisi Bamamba Présidium. Séance tenante, et donc on a remarqué le Moko, le président s'est dit ceci. Je suis inquiet de ce qui se passe dans la majorité à cause du manque de solidarité entre la majorité. Bande Konangaï. Ce qui m'a conzambo, c'est que tu as été un spectacle dans le palais du peuple. Nalandi, monsieur Bitakwira, voici ses propos. Alobi, bonsoir, mon conzambo. Le Congolais sont prêts à revivre le Covid-19. Mais ils ne sont pas prêts à vivre le retour de M. Mboso Kolduampouanga, l'actuel président du bureau provisoire Assemblée nationale. Ça, ce sont des propos très forts de M. Bitakwira. Neko, c'est un problème sérieux, majeur pour Namboka. Pourquoi M. Bitakwira doit tenir ses propos et puis à tenir en hauteur Nassima Mokongo, le vieux Mboso. Mais à l'obiango en face de lui, devant le président de la République. Cela montre le degré de frustration dans la majorité. Je me suis posé la question de savoir pourquoi ce monsieur a tenu ce genre de propos. Pourquoi au moment où la population congolaise a osé l'installation de l'institution pour que le programme Yamukonzambuka ait se mettre en place. Mais malheureusement, les choses sont bloquées. Les choses se sont bloquées. Heureusement, Mukonzambuka, par sa sagesse clairvoyante, aïe, bici que l'élection est salama l'éloté. Pour ceux qui l'élection est salama qui, et nous avons la mboutou mboutou na kati ya mboka oyo. Yango moni mokonza mboka, aïe, bici bango, bon reporté élection ya bureau définitif ya Assemblée nationale. L'élonde tozo le baboye, na bureau ya secrétaire général Augustin Kabouya na GB, tous les membres du présidium, bakoyamba ba président ba regroupement nyon sur union sacrée, ou ba signé charte na bango ya union sacrée. Ba sengi bango pe ba même ba liste. Ou semi a proclamé ki ba député na ba liste na bango, ou cour constitutionnel a confirmé ki. Donc Moussala et zongi lisusu pour na kotia ticket asika. Mais selon ba information tozui, selon ba information tozui par rapport à l'orientation à Mokonzamboka. Alors bien que, nakati ya bureau, oyo, tiki ya liboso, se pe la kite, parce que représentativité, abasi, ezala kite. Bisounyo, soto yobi que Mokonzamboka, azali, oba benga ra champion à masculinité positive. Il voudrait que, basi pe basa na nakati ya bureau, Assemblée nationale, qui comprend 7 membres. Pour n'a qu'aucun équilibre. Bon, et bien, dans la législature passée, basi bazala ki moue belé. Mais la législature, basi bazala moke. Yango mou kontambo kalobi, non. Toi étouffé, ba maman, te topé sa bango ba place. Yango moni tike, o ezali ke, biso titoza awa, toi bi ke, pour na tike, ya président, ya assemblée nationale, o ezali monsieur Vital Kamerhe, et koza la touchete. Premier vice-président, paix, il y a l'Assemblée nationale et vous allez toucher. Mais Kokoso Ezali n'a posté na candidature, il y a deuxième vice-président, où le Pepe Mboso Azale qui y est moko comme candidat, où le député national Baloba qui, toko voté bulletin blanc, toko voté Pepe Mboso te. Il y a un an à réfléchir à haute voix. Je me suis posé la question, en homme et conscience, président Mboso, vous avez fait un travail extraordinaire pendant 3 ans. Comment vous avez pu accepter? Quelle idée vous est passée par la tête?
au coma numéro 3 et Assemblée nationale, vous avez qui numéro 1. Comment tu étais au sommet, mais tu as accepté d'être en bas? C'est tout le problème. Là où je me pose la question, comment est-ce possible? Comment est-ce possible, Papa Mbosso? Comment vous avez pu accepter? Comment vous avez pu accepter cela? Je dis, comment vous avez pu accepter? Vous aurez dû sortir par la grande porte. Tout ça, c'est... Je me pose la question de savoir, est-ce normal, Pepe Mbosso? Est-ce normal? Moi, j'aurais voulu que vous sortiez par la grande porte et non par la petite porte. Aujourd'hui, tout autour de vous, à telle enseigne que M. Bitakwira vous attaque frontalement devant le président de la République en disant que les Congolais sont prêts à accepter que le Covid-19 retourne au pays, que vous puissiez retourner au bureau de l'Assemblée nationale, même la poste à deuxième vice-présidence. Je me pose la question, est-ce que vous ne voyez pas qu'il est temps que vous puissiez vous délecter, que vous allez dans une retraite honorable et paix honorifique, parce que vous avez fait votre part? Ça, c'est la première des choses. Mais ce que le Congaï Nazo Bundela Nazo réfléchir à haute voix, ils allaient poste et rapporteur adjoint, il y a bureau définitif à l'Assemblée nationale. Dans mon idée que Constant Moutambaye Palobi, Ngaï Penaye, qu'on s'est positionné pour la coma. Rapporteur adjoint. De l'autre côté, na monipe, ensemble, il y a Moïse Katumbi Balobi, Bissopé Fotokota, wana, parce que Bissom Tosana, majorité dans l'opposition, opposition na Bissom de Tosana, par député nationaux et belé. Maintenant, je me pose la question, est-ce ma député à Union Sacrée? Est-ce ma député à UDPS? Ba qu'on vote pour la madame Dominique Monongo Oyazali? Très proche de Moïse Katumbi, au Bissonio Sotoebi, la réalité, comment c'est cette dame-là a qualifié les Louba qui sont au Katanga, comment est-ce que cette dame, qui j'appelle sulfureuse, s'est comportée contre le pouvoir de Tshisekedi? Est-ce les députés nationaux vont voter madame Dominique Monongo? Est-ce les députés vont voter M. Constant Moutamba, étant donné que le président de la République Azo souhaitait que Basi Baz allait belé na Katia bureau Assemblée nationale. Bureau définitif, bien sûr. Je me pose la question. Mais je me dis, si j'étais conseiller de Madame Dominique Monongo, na koye bisega ramama, osa obligé à kokendo luka kabou yabo solo là. Osa obligé à kokendo luka baati lukwebo. Osa obligé à kokendo luka Jean-Pierre Bemba. Osa obligé à luka Vital Kamere. Osa obligé à luka Samalo Konde. Mama koyo kasonite sinote okozwate. Parce que la réalité politique veut que tu ailles vers les députés de l'Union Sacrée. Yango Nazo qui ont interpellé tous les politiciens et tous les journalistes et tous les communicateurs. Faisons très attention. La politique est un cercle vicieux. Moto koki ko finga lelo, le bio koki ko zana besoin na epoko ma place au zokoma. C'est cela doit nous interpeller. Quand je vois la réalité, cette maman sait qu'elle est, sait qu'elle a fait. Le combat qu'elle a mené contre le pouvoir de Félix. Et aujourd'hui, la même dame a besoin des députés qui sont de l'Union Sacrée pour pas voter à comme rapporteur adjoint et à bureau définitif à l'Assemblée nationale. Ça m'a interpellé. Bissot, toi télévision, toi qui attaques les gens, toi qui dis du mal des gens, faites très attention. La personne que tu minimises, la personne que tu négliges aujourd'hui, demain à Koki Kokoma une personne importante pour toi, très cher Congolais et Congolaise. Donc c'est pour dire, aujourd'hui le nouveau ticket va se dessiner. Mais nous avons interpellé ma membre à présidium. Remettre en question l'élection primaire qui a été faite autour de Vital Kamerhe, et ça va créer encore d'autres crises au niveau de la majorité. Donc pour nous avoir une proposition, c'est que bon toucher la bino na ba poste nyoso. Mais ma poste, ma coquille qui a touché tes points d'élection, et sa poste, il y a président, il y a bureau définitif, il y a candidat, il y a président bureau définitif Assemblée nationale, qui est en l'occurrence M. Vital Kamerhe. Et le deuxième, le poste, il y a deux premiers vice-présidents, il y a M. Paul Chilumbay, parce que de ces côtés-là, je crois que tous les députés nationaux sont unanimes. Ne touchez pas là-bas, allez à l'essentiel. Parce que pour Nabisso, je le dis ouvertement,
Bana Congo, Bana Mboka. Je sais que beaucoup de gens sont en train de parler autour de M. Vital Kamerhe. Mais laissez-moi vous dire, le président de la République sait ce qu'il est en train de faire. En renouvelant sa confiance à la personne de M. Vital Kamerhe, le président sait que M. Vital Kamerhe va faire le travail qui lui sera demandé dès par la Constitution. Je crois que M. Vital Kamerhe n'est pas conscient de la réalité politique de Mboka, de l'enjeu politique de Mboka, parce que le ticket, le choix de M. Vital Kamerhe peut être bénéfique pour la République. Dans quel sens? Je m'explique. Bisonio Sotoebi, il y a ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Nous avons une situation sous-régionale un peu compliquée. Mais sur le plan de la géopolitique régionale, il y a politique, il y a Grand Lac, M. Vital Kamerhe maîtrise les tenants et les aboutissants du conflit et de l'insécurité à l'Est. M. Vital Kamerhe, s'il activait la diplomatie parlementaire, il pourra être un atout majeur pour la résolution du conflit qui se passe à l'Est. Un, par son art oratoire. Deux, par la maîtrise de la situation. Et trois, par la maîtrise des contingences et des données sur terrain. Ça, ce sont des atouts que M. Vital Kamerhe a. De l'autre côté, quatrième atout, M. Vital Kamerhe a l'expérience parlementaire parce qu'il a déjà dirigé le bureau de l'Assemblée nationale. Bisonio Sotoebi na Congo, ce monsieur a donné du plaisir à même ceux qui ne s'intéressaient pas à la politique de s'intéresser à l'activité parlementaire. Tout le monde a quand même un contraste. De l'autre côté, il y a politique, il y a Joseph Kabila, il y a Mandosala, ou Zangatina. Mais il y a politique, il y a Mboka, par l'Assemblée nationale, par M. Vital Kamerhe, comment il dirigeait l'Assemblée nationale. Il y a eu moins de conflits pendant que M. Vital Kamerhe a dirigé l'Assemblée nationale. Donc, tout en agnoso, ils ont permis que les Congolais, les Congolaises, au bazar même dans Katia Kinshasa, au bazar même dans la diaspora, refaire confiance à M. Vital Kamerhe par rapport à la direction, à l'Assemblée nationale. Ça, c'est sûr, c'est ce que je voulais dire autour des enjeux politiques actuels. Donc, dans le moment où tout le bas, les présidiums s'entretiennent avec les présidents de regroupement. Je crois qu'ils ne vont pas tout détruire, mais ils vont faire des retouches par rapport au poste qui pose problème. Poste, il y a deuxième vice-président, il y a l'Assemblée nationale. Et puis, représentativité à Bassine, à Kati, il y a bureau définitif Assemblée nationale. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet-là important. Bandeko, nous avons besoin d'aller vite. Il faut que au début de la semaine, déjà, tout soit calendrier l'élection. Bisonios Tobi, qui est dans le conseil de ministres, le président a remercié le membre du gouvernement sautant pour leur dire que non, Nanabino, Tosilani, merci pour le travail qui a été fait. Nous avons été pendant 5 ans, pendant 2 ans, pendant 3 ans pour certains. Je vous remercie, merci pour le travail, parce que la voie est déjà ouverte pour la nomination de nouveaux membres du gouvernement qui est imminente dans les heures qui viennent. Voilà la situation politique. Maintenant, la deuxième, je voulais clôturer sur la situation militaire et sécuritaire à l'est du pays. Bande Konanga ba Congolais. Le 17 mai, c'était hier. Je dis bien le 17 mai, c'était hier. Je vais vous parler un peu du 17 mai pour expliquer la situation au Tosanango Lelo. En 1994, M. Paul Kagame, sous l'instigation des États-Unis d'Amérique dirigés par M. Bill Clinton, ils ont décidé d'abattre un avion où il y a deux présidents et membres de délégation, le président rwandais Habyarimana et le président burundais. Mais je vais expliquer. Avant la mort de M. Habyarimana, Wana Bazo Kende, au niveau de Arusha, parce que vous voyez que la communauté internationale a lingi ba sommet belé. Alingi ba sommet ebele. Ba outi na ba kena Arusha. Mais avant cela, les États-Unis d'Amérique, via M. Bill Clinton, ba koutani na M. Habyarimana. Ba ici, M. Habyarimana, nous avons besoin d'exploiter des minéraux de l'Est de du Zaïre de l'époque et nous te choisissons pour déstabiliser la RDC. M. Habyarimana a dit non. Le fait qu'il avait dit non, cela avait scellé sa mort.
J'aimerais interpeller les dirigeants congolais, à l'occurrence le président de la République. Ces gens sont sans état d'âme. Ces gens-là ne reculent derrière, devant rien. S'ils ont un objectif à atteindre, même s'il faut tuer la moitié du globe, ils le feront pour que leurs objectifs soient atteints. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises, ma Congolais et ma Congolaise. Situation au Congo, il faut toyer que les États-Unis sont le premier à être indexé, fixé par des Congolais pour notre malheur. En 1939, Albert Einstein, le grand mathématicien, par ses recherches, il a compris que le Zaïre de l'époque était un pays qu'il ne faut jamais laisser sous le contrôle d'une autre puissance. Et faire en sorte que Bangomo Kopé Bazaïro Bazala n'en contrôle jamais à Mbokawana. Pour une simple raison, celui qui parvient à contrôler le Zaïre de l'époque, il va contrôler le monde. Si même le Zaïrois, Baza capable de contrôler Mbokana Bango Zaïre, ils vont dominer le monde selon ma recherche Albert Einstein. Et puis ces recherches se sont avérées vraies dans la suite des temps. Souvenez-vous, entre le conflit entre Hitler, le Japonais et la Société des Nations, l'élément qui a mis fin à cette guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, c'est le minerai stratégique puisé, l'uranium, Nachi Kolobwe. Mais cela doit interpeller le Congolais de partout. Pourquoi je dis ça? Parce que même Henri Kissinger, le plus grand géopolitologue mondial, que moi j'ai toujours qualifié en tant que politologue de criminel, parce qu'il a établi des doctrines et des thèses démoniaques qui a fait tuer des millions de gens, en l'occurrence nos frères et sœurs congolais. Henri Kissinger, en 1975, il revient encore sur la RDC. Comment maintenir le pays pauvre dans la pauvreté? Comment faire en sorte que ce pays-là ne se développe pas? Talaba, thèse diabolique. Parmi les pays visés par l'OTAN, Réunion Pays Salamine en 1995, au niveau de l'OTAN, il faut viser la RDC, le Zaïre de l'époque. Voilà comment le complot est venu. Bato Balobarake Félix Abomi Mboko peut-être lecture Yamkiribazo et Baté. Je retourne encore. Il y a un autre premier ministre, un homme puissant, M. Shamir, l'ancien premier ministre israélien. Il a dit clairement à notre ambassadeur en place en Israël, à l'obi bino bisotong total agabino na misu bino ba congolais. Pour nous, nous nous rendons compte que Dieu est injuste. Pourquoi il vous a donné ce pays-là qui est un scandale géologique? C'est l'injustice naturelle de Dieu. Yango moni biso ba puissant, on ne vous laissera jamais vous développer. Alors, ceux qui bolingibo s'est démarqué, vous devez apprendre à devenir puissant et fort. C'est la réalité actuelle que nous vivons. Cette guerre, on ne l'a jamais voulu. En 1994, ils ont abattu l'avion d'Abiarimana, s'il vous plaît, un président en exercice. C'est ce qui a déclenché ce que nous avons vécu aujourd'hui, que nous vivons. Quand ces gens sont entrés dans notre terre, dans notre pays, c'est le malheur du Congo. Avant 1994, on n'a jamais vécu ça. Mais quand nous sommes arrivés en 1996, bande konanga ba congolais, on est toujours vivre le 17 mai. Ce n'est pas une guerre de libération selon tous les politologues et tous les méthodologues en Sciences Po, mais c'est plutôt une invasion d'une armée mono-ethnique, Tutsi, provenant de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, aux Érythrée, aux Somalie, aux Éthiopie. Ils se sont constitués des néolithiques, des Tutsi, pour nous attaquer. Et ils ont mis devant un de nos frères, comme dit toujours le pasteur Guili, notre frère de père et de mère, notre sang, Laurent Désiré Kabila. Le 17 mai a consacré Obabengaka l'humiliation de toute une nation. Le 17 mai, on nous a vidé de toute subsistance qui faisait de nous un État-nation. La honte nous a saisis à cause de l'invasion des armées mono-ethniques, toutes soutenues par la communauté internationale et les multinationales dans le but d'exploiter nos minéraux. Mais les lots, autres sont vivre les lots. Pour qu'ils ne consultent pas de Konangai. Binonio Soborolanda, Bissona partout. Les gens posaient la question, pourquoi les FARDC n'ont jamais attaqué les positions de l'ennemi? Pourquoi
Le M23 nié avec cette histoire bizarre, compliquée avec Corneille Nangaa. Vous savez que Congo est au centre d'un complot mondial. Même ma grande puissance n'a pas un document qui m'a choqué. Pour les multinationales et pour les grandes puissances, le Congo est un grand tout. Tout est adverbe de quantité. Que le Congolais ne peut pas mériter ce pays parce que pour Nabango Bazo trouver que Bissot va Congolais tout ça dignité à mériter ba mabele on Zambapé Sabiso. Donc Yango Zomona pour eux ba bengango le système dominant. Le système dominant c'est des grandes puissances. Oh baza na contrôle il y a 80% économie baza au contrôle il y a nyonyo somokili. C'est eux qui décident de qui doit vivre qui ne doit pas vivre. C'est eux qui nous créent toutes ces maladies, des épidémies partout dans le monde. Pour eux, Bissoba Congolais, tout ce qu'on mérite, Mboka Ote. C'est pour cela, leur décision, c'est pour nous créer la guerre. Mais Félix Tshisekedi, quand il est venu au pouvoir, pour vous montrer que vraiment c'est un nationaliste et c'est un Congolais, comme pasteur Guilia Lobango toujours, que Félix ne peut pas trahir, que c'est notre frère, c'est notre sang. Félix a mis en place un mécanisme pour résoudre de manière définitive cette guerre. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas vécu sur le chemin de la réalisation de ce rêve que tous les Congolais attendent? Bakal na bakal. Le président a été partout dans tout le chemin pour parler de la RDC. Nous avons vécu le 17 mai, Nathalie Nakati, les Congolais, la diaspora, parce que ça nous rappelle l'humiliation, le nombre de Congolais qui sont morts à cause du début de cette guerre qui a commencé à Nouvira. Bandeko, je rappelle aux Congolais, beaucoup dans la histoire, il y a guerre haute depuis 1996. Kagame nous a jamais gagné par une confrontation militaire frontale. Jamais, au grand jamais. Ma territoire est quoi, soit par infiltration, soit par trahison. C'est ça, Kagame. Mais depuis Félix a continué à pouvoir, ma Congolais conscient sérieux, beaucoup nous ont vérifié. Les militaires rwandais ont commencé à être tués, tombés sur le champ de bataille par nos militaires. Sous Félix Tshisekedi. Parce que pendant Joseph Kabila était au pouvoir, hier j'ai aimé de manière magistrale intervention à Pasteur Guili, qui a démontré avec Mitterrand Naya de manière claire et limpide, pendant Joseph Kabila, il n'y avait que des accords et des dialogues entre le Congo et les mouvements, je pourrais dire, Tutsi provenant du Rwanda. Mais sous Félix, il a dit niet, c'est pendant Joseph Kabila. On a connu mixage et brassage. Je rappelle aux Congolais, au Bakolanda Biso, Makambo Nyo se banda depuis 2008. Tokéi. Il y a eu un accord qui a été signé à Rubavu. Batonyo se baye Rubavu et Zawapi. Nous sommes passés en 2009, le 23 mars. Nous sommes passés en novembre 2013. Tout ça, c'était entre la République démocratique du Congo et le mouvement soit du CNDP. Soutenu par le Rwanda, en réalité c'est l'armée rwandaise, soit le M23 soutenu par le Rwanda, soit c'est l'armée rwandaise, mais tant que tu as teinté à Nanga avec l'alliance de faux Congolais, Félix Aïbissi Bango, il n'y aura pas de dialogue. Kagame a cru manipuler la société de Nassom Kilimobimba, Azula Bisso, un Nanga, un Charlot, à Tcheliboso avec des tintins comme Arimaji et Chisola, pour appeler sa image. Jamais le monde n'est pas tombé dans ce piège. Je rappelle aux Congolais, bato bazo kanisa que Félix a voyagé, azo ke bipay na bipay, allez vérifier. Selon nos informations, Kagame effectue plus de 3 voyages par semaine. Je dis bien 3 voyages par semaine. Il n'y a pas un président qui voyage plus que Kagame en Afrique actuellement. Mutazo sale akoma kizungu trouble wana comme on a eu Félix Tshisekedi Tshilombo. Je rappelle aux Congolais, que Moutou a yé ko stoppé ma velléité. Il y a Paul Kagame en Afrique. On l'a exposé, il s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Bien, mais tant qu'il a eu pouvoir dans Mboka Oyo, personne ne lui a donné la chance, 6 mois,
Il ne fera pas une année. Aujourd'hui, il est na sixième année. Nabandeli, 2008, accord na Rubavu. Posez-vous la question. Posons-nous les questions comme Congolais. Pourquoi Joseph Kabila et ses camarades, ses compagnons, se plaisait-il aller parler avec tous ces mouvements criminels à Gisenyi, à Rubavu, à Kigali, soit à Kampala et non en République démocratique du Congo? Parce que il est trop la vérité. Souvenez-vous de ce que le professeur Kalel avait dit. Comment M. Joseph Kabila a vendu ce pays entre les mains de son frère Paul Kagame. Vous savez que l'accord de 23 mars 2009, cet accord a consacré que le mouvement criminel rwandais devait occuper 43% de la poste et à commandement dans le nord Kivu, 39% dans le sud Kivu. C'est ce qui a fait que les soldats n'ont pas mixé, brassé, RCD, M23, CNDP, ils ont été toujours à l'est. Ils ont occupé toujours Masisi, Nirangongo, Rutshuru. De l'autre côté, ils ont toujours été à Minembwe. Je me souviens même que Moïse Nyarugabo, le Rwandais, par quelle baguette magique il est devenu Congolais, parce que sous Joseph Kabila, tout Rwandais était devenu Congolais. Il avait dit ceci: nous sommes prêts à mourir parce que Félix Tshisekedi est en train de délocaliser des régiments de soldats Banyamulenge vers l'ouest du pays. Je me suis posé la question à cette époque-là. Ces soldats étaient-ils Congolais ou bien ils étaient Rwandais pour que Nyarugabo qui puisse monter au créneau, étant donné l'entrée à Fidel, le secrétaire particulier, le Rwandais Nyarugabo était aux côtés de Joseph, de Laurent Désiré Kabila, comme ce secrétaire particulier, pour asservir à notre frère Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, Ndekonangaï Congolais, nous avons l'obligation patriotique d'apporter notre main de soutien à Félix Tshisekedi. Vous ne savez pas des risques qu'il est en train de prendre pour le Congo. Tous les risques qu'il est en train de prendre des avions, ce n'est pas une partie de plaisir. Je dis, ce n'est pas une partie de plaisir. Bah, Congolais va le dire, oh Félix, depuis, bon, bah, Congolais était. Certains Congolais, oh, bazar, bah, l'ingaka, régime à Félix, c'était tout le monde. Oh, depuis qu'il est au pouvoir, depuis, bah, Nimando a voyagé plus de 19 fois. Mais peut-être vous ne vérifiez pas les informations. Allez vérifier les informations, pourquoi le président voyage. Je vais dire aux Congolais et aux Congolaises. Aujourd'hui, il y a une guerre d'influence entre le Rwanda et la RDC. Aujourd'hui, le Rwanda contrôle, maîtrise Obabengi East African Community, EAC. Le Congolais aujourd'hui maîtrise, contrôle Obabengi la SADC. Mais il y a une organisation sous-régionale. En l'occurrence, la CDAO. Il y a un moment qui présente Kenagi vers Togo. Président que Luka, président mauritanien. Parce que Kagame n'a visé naé, Azoleka, Akenokolobara Lukuta, pour attirer ma organisation sous-régionale, on a la cause naé. Parce que Ayebi, que dans les jours à venir, il y a des sanctions au niveau de l'Union africaine qui vont tomber sur le Rwanda. À cause de la diplomatie du président congolais. Il y a un moment où il y a une organisation sous-régionale, on a africaine. Pour nous manipuler, il y a un peu de monde qui nous dit, il y a un peu de Félix à l'obinini. Et ça portait des fruits, le langage de Paul Kagame et Zo le Kalissou soutient. Ce qui revient à dire, aujourd'hui, nous sommes le babo, sur le plan diplomatique. La diplomatie congolaise a mis en difficulté la diplomatie de Paul Kagame. Nous devons nous en féliciter, mais sur le plan militaire, depuis que cette bombe est tombée, Naka Mungunga, c'est pas là jour, Maman Pascaline, une femme intelligente, a expliqué Naka Mungunga wana. Alors, pourquoi Bande Konabi soit Congolais, oh, bah, ça comme bah, réfugié. Il faut bah, nous, comme un topo dans Kolia, mais il faut bah, mais les a passé. Alors, même bah, prestataires, oh, bah, ils étaient payés par jour. Le Rwandais ont été dans ces camps-là. Les Tutsis et les Hutus ont été dans ces cas-là, ils étaient bien nourris, ils étaient bien traités. Voilà ça, ma révélation, Maman Pascaline, bravo. Mais pourquoi nos frères doivent-ils manquer à manger? C'est-à-dire que, pour nous, nous avons besoin de nous faire un peu de temps.
Mais actuellement, sur le terrain des opérations, Boka Oyo Mapinga Nabino, Ezo Sala actuellement, et j'informe que même na Bounagana actuellement panique et comme au quota. Je dis même panique et au quota parce que l'avenir de ces gens-là, Bounagana, ce n'est qu'à compter. Et puis j'informe de ça, Congolais, que dans les heures qui viennent, nous allons entendre que Rwindi est récupéré et que Tchanga est récupéré. Parce que actuellement, ba mapinga na biso ba soda ba ndeko na biso bana na biso ba yaya na biso ba papa na biso ba récupérer Katoyi 1 ba récupérer Gate Botobo 2 ba récupérer Luke 3 ba récupérer Kaseni 4 ba récupérer Kibikiriza 5 ba récupérer Vichumbi 6 ba récupérer Kikuku 7 ba récupérer Mutuza 8 ba récupérer Mbizo 9. Ba récupérer Bikuba. 10, 11, je ne sais même plus compter. Tala bravo. Nyoswana, sous le commandement du commandant suprême Félix Tshisekedi, Namba Mapinga Nabiso. Donc, ce qui revient à dire, Yango Bomoni, ministre Patrick Muyaya, ministre de la communication, a le narratif échangé, la solution pour la situation de l'Est est maintenant militaire. Ce qui fait que nos fardessés sont en train d'avancer petit à petit pour nous récupérer nos territoires suite à l'opération Vengeance du Léopard. Donc voilà le peu d'informations que nous avions cette semaine à vous donner. Na fin semaine Oyo. Yango Banamboka, nous avons intérêt pour chuter à soutenir le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et nos FARDC et notre police. Je ne pourrais pas terminer sans saluer Bato Nyoso Barolanda Biso de partout. Je salue ceux qui sont avec nous au studio. Mon frère exceptionnel, intelligent, Mifteranaya, que j'aime, que j'admire beaucoup. Maman Pascaline, le pasteur Gilly. Nous sommes là pour faire ce travail, pour venir vers vous. Congolais de Congolaises de partout. Ceux qui vont nous suivre. Vous voyez que Congo, Ozama Belé, nous devons soutenir. Napesi Bayonio, Sobarolanda Biso de partout dans le monde. Je ne vis pas mon frère qui est en Turquie. Tom Mamba, je ne vis pas monsieur Jean-Pierre Kalonda na Liège. Je n'oublie pas pasteur Roger Kabongo aux États-Unis, na maman Karine Kabongo. Ba Congolais de partout, Bozé Belé, moi, Natanga Kombo Ezalité. Continuez à soutenir cette chaîne YouTube. Partagez, likez cette émission. Et nous allons nous revoir la semaine prochaine. A plus, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse le chef de l'État. Je vous remercie, à plus. Naibike Bandeko Barolanda Biso, Mitterrand et Maman Pascaline, ils vont encore renchérir pour vous éveiller parce que nous sommes Congolais. Nzamba Pambo Labino. Merci beaucoup. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.